Hey les amis, c'est Pokéui, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de 4 boosters noirs et blancs, Tempête Plasma. Une série qui commence à pas mal coter, qui est difficile à trouver. Donc 4 boosters vaut à peu près une trentaine d'euros aujourd'hui. Dans cette série, on va pouvoir retrouver du coup Dracaufeu Shiny et pas mal de choses encore. Excusez-moi. Donc, à tes souhaits pour moi. Du coup, je vous présente assez rapidement les petites illustrations. Donc, on aura Simular. Non, c'est pas Simular, c'est. Comment tu t'appelles toi déjà? Simiabraz, voilà. Léopardus, il me semble. Et le petit Lugia qui est juste magnifique. Et le petit Articodin. Voilà, je vais finir par Lugia. En avant-dernier, je vais mettre Articodin. Ou. Ouais. Peu importe, on s'en fiche. Voilà, on est parti avec le petit Léopardus. Donc, petit booster, voilà. Je vous montre le dos parce que je sais que certains veulent voir le dos. Du coup, il ne peut y avoir de calme avant cette tempête. Ouais, du coup, c'est plutôt pas mal. Très, très joli booster. Donc, série qui est de 2013. Du coup, qui a déjà 3 ans. Bientôt 4. Hop. Du coup, je vais faire 1, 2, 3, 1, 2. Tac. Ok, j'espère qu'on aura de la chance parce que c'est une série vraiment où là, il faut vraiment ouvrir des boosters pour avoir des ultras. Du coup, on est parti avec un magnifique Ratantif. Il est vraiment magnifique. Ensuite, Miamiasme, très bien. Furéglon, ok. Apitrini, Nosferapti, ouais, pourquoi pas. Une énergie spéciale, ok, donc on passe aux peu communes. Dresseur Huile, très bien. Boscara, ouais, sympa, on a une petite évolution de starter, pourquoi pas. Ensuite, Magnéti en reverse, du coup, une commune reverse, très bien. Et derrière, nous aurons Manternel en rare, ouais, plutôt sympa. Petit Manternel, très bien. Du coup, on passe au second booster, du coup, le petit Simiabraz, hop. Bon, j'ai déchiquette un peu les boosters, mais bon, c'est pas grave. Oh là là, sacré booster. Je vous donne un petit code online, n'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir le prendre. Du coup, toujours pour garder le suspense jusqu'à la fin, en plus j'ai mis à l'envers le truc. Voilà. Donc, on est reparti avec un petit Riolu qui est juste magnifique. Donc, c'est vraiment une série très très sympa. On va retrouver des dessins vraiment magnifiques par rapport aujourd'hui où les illustrations sont pas forcément superbes. Du coup, on continue avec Funessir. Ouais, sympathique. Chuchemur, le petit Chuchemur, tout mignon. Ouais, pourquoi pas. Smogo, petit Smogo. Trompignon, très bien. Donc, Nicolas et une dresseur. Du coup, on passe aux peaux communes. Ok. Cochignon, petit Cochignon, tout sympa. Ouais. Kirlia, d'accord, très bien. Smogo en reverse, donc une commune reverse. J'ai pas trop de cartes de cette série, du coup c'est plutôt pas mal. Je vais en ajouter pas mal du coup avec cette ouverture. Et derrière nous aurons un Sharpedo en rare, qui est plutôt sympathique. Moi j'aime beaucoup Sharpedo, donc il est vraiment sympa. Du coup on continue avec le troisième booster, le petit Lugia. Tac. On laisse tomber, j'arrive pas à les ouvrir correctement. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, 3-2. Hop. Donc, on est parti avec un petit Cerebou. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ces Pokémon, c'est hallucinant. Du coup, le petit tic. Ah, oh, Riolu, cette illustration est vraiment pas mal. Pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire l'illustration de carte que vous préférez pour cette ouverture. Petit Nénupio, ouais, pourquoi pas. Chacripant, très bien. Un petit Golet, ok. Un magnifique Magneton, ouais, qui à mon avis commence une petite attaque électrique, ouais, sympa. Ensuite, Ouvrifié, ouais, pourquoi pas, petite peau commune. Du coup, Magneton aussi était une peau commune. Et le golet d'avant aussi.
Du coup, on est parti avec le petit Togepi en reverse. Une petite commune reverse toute sympathique. C'est vraiment magnifique. Magnifique Togepi. Superbe. Et derrière, nous avons un sort Bouboule. Ok, Bouboule. D'accord. Bon, c'est pas la rare préférée du siècle, mais bon, c'est pas grave. J'espère que le dernier booster va nous porter chance quand même. Ça serait dommage de ne rien avoir, mais bon, c'est quand même assez compliqué d'avoir une ultra dans ce genre de série. Hop, donc on est reparti avec un petit Doduo qu'on n'a pas eu, qui est plutôt mignon. Ensuite, Carvana, très bien. Petit booster, on n'a pas eu de carte. Du coup, Togepi en commune qu'on n'a pas eu. Seribu qu'on a déjà vu. Petit Nosferapti, qui est plutôt sympathique, très bien. Nicolai en dresseur qu'on a déjà eu. Un petit Smogo d'une autre illustration, mais cette fois-ci elle est plutôt sympa, donc une peu commune. Vraiment pas mal du tout l'illustration. J'aime beaucoup en fait les illustrations de noir et blanc. Bon, après les illustrations de diamants et perles, wizard, etc. étaient vraiment très très jolies. Et du coup, on retrouve un petit peu un style assez sympa. Ensuite, couverture, très bien. Manternelle, donc une rare reverse, très bien. Ok, pourquoi pas, bon, ça sent mauvais pour la suite. Et derrière, nous avons, ah, quand même, Manaphy en holographique. Ok, elle est pas mal, hein, Lolo. Elle est vraiment magnifique. Bon, c'est dommage, on n'aura pas eu d'ultra. Bon, c'est pas grave. J'ouvrirai d'autres boosters de cette série, un de ces quatre. Ouais, vraiment magnifique. Superbe Manaphy. Du coup, bon, bah, je vais pas faire de récapitulatif. On aura une rare reverse Manternelle qu'on a eu en rare tout à l'heure. Et le petit Manaphy en holographique qui est en magnifique. Voili voilou. Du coup, j'espère en tout cas que cette ouverture vous aura plu. Pour ma part, c'était une ouverture plutôt sympathique. On redécouvre un petit peu des séries d'avant qui commencent à coter pas mal et qui sont assez galères à trouver. J'espère en tout cas que cette ouverture vous aura plu. Je ne sais pas encore ce que je vais ouvrir pour la prochaine vidéo. J'hésite encore pas mal parce que j'ai pas trop le temps. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous voulez que j'ouvre. Voilà, en plus je suis pressé d'atteindre les 500 abonnés pour que j'ouvre quelque chose de plutôt sympathique. Du coup, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye bye!